vous, shalom, shalom. Je vous salue tous ce matin dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ. Connectez-vous parce que je serai encore là pour vous donner encore de mes nouvelles. Je suis là, c'est le pasteur Serge. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Jésus-Christ, il est merveilleux, il est puissant. Jésus est bon. Je suis encore là ce matin pour m'adresser à vous. Tous les fils et filles spirituels du prophète, je déclare aux dignes de ce ministère. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Thank you.
Shalom à vous. C'est pour juste vous dire que ce monsieur, le prophète Joël Crasso, c'est quelqu'un de bien. C'est un homme qui doit être soutenu, honoré. Je suis déçu et je suis choqué d'entendre certaines personnes le combattre. Pourtant, franchement dit, c'est lui qui nous a tous fait. Certains même le servent. Tous sont au courant. Ceux qui le combattent aujourd'hui, ils sont conscients de ce que je suis en train de dire. C'est le prophète Joël Crasso qui nous a tous fait. C'est son ministère qui nous a tous fait. C'est au travers de son ministère que nous avons été tous connus. Que certaines personnes nous ont connus. En Afrique comme en Europe, partout dans le monde. C'est à cause de son ministère et lui-même sa personnalité. Papa, sois tranquille, je t'encourage. Et le moral haut, ce ministère ne s'écoulera jamais. Moi, personnellement, je ne permettrai pas à ceux-là même, je ne permettrai pas à quiconque de venir dans ce ministère pour le détruire. Parce que nous avons payé le prix, vous et moi. Depuis 2006, nous avons souffert pour la réussite de ce ministère. Alors, je ne permettrai pas à quiconque de venir s'introduire pour le détruire. C'est un ministère qui vient de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est au centre de tout ce qu'il fait. Tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu est au centre de ça, papa. Alors, ceux-là même qui vous combattent, ceux-là même aujourd'hui qui se disent qu'ils sont devenus forts, ils sont ingrats. Ce sont des hypocrites. Moi, personnellement, j'ai été choqué. Voici réellement ce qui m'a motivé à venir. Et j'ai demandé l'avis du Père. Il ne voulait pas, comme je l'ai dit hier. Il m'a refusé, il ne voulait pas décrocher mon appel. Mais il a vu que j'étais sincère. Voici ce qui a sollicité vraiment mon avenue ici encore, à la maison. Alors je suis choqué et déçu. Choqué, franchement choqué pour ce qui est arrivé. Ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui le prophète Joël Crasso, ils le savent que c'est lui qui nous a tous fait. C'est lui qui nous a rendus célèbres aux yeux du monde. Parce que c'est au travers de son ministère que nous aujourd'hui, on est tous venus célèbres. Que des gens nous appellent de l'Europe, que les gens nous connaissent. Alors je suis choqué. Mais je dis à mon père d'être tranquille dans la tête. Il est allé en mission. Que Dieu le fortifie, que Dieu te fortifie, papa, pour accomplir véritablement cette mission pour laquelle tu t'es envolé en Europe. Aide le moral haut et que le Seigneur vous fortifie, papa. Elie la gonne à maman gorégemo a qui pia au ole. Joël est la gona, maman gorégemo, gorégemo, a qui pia au ole. A mon salé, oh, à mon salé, oh, à mon Jésus, mon salé, oh, à mon. À mon salé, oh, à mon, pia, pia, Joël est la gonne à mon abo et que moi, oui, comme moi, qui
l'a choisi. Quand Dieu l'a choisi, il lui a confié une mission. C'est la signification du cantique à mon salle. C'est Dieu qui a choisi le prophète Joël Crasso. Et nous, il nous a sélectionnés pour venir donner un coup de main. Dans ce ministère, c'est vrai. Il y a des gens qui sont venus entrer pour en profiter. Ils n'ont pas vécu ce que lui et moi, on a vécu. Raison pour laquelle ils se disent aujourd'hui les meilleurs. Mais je suis choqué. Papa, courage. Vous avez été choisi par l'Éternel Dieu des armées, le Créateur de la terre des cieux et du ciel plutôt. Et ce Dieu ne permettrait pas que vos ennemis aient le dessus sur vous. Non, Dieu vous donnera toujours la victoire. Vous serez toujours vainqueur. Et ce ministère ira de progrès en progrès. Et personne ne peut empêcher cela. La Godou, Jésus n'est pas ce qui m'a là. Aïe, ce qui m'a là, oh. Waouh, ce qui m'a là, oh. La Godou, Jésus n'est pas ce qui m'a là. Ils vont t'appeler comment? Enfant de Dieu. Toi qui te dis fils du prophète Joël Crasso. Comment tu veux que les gens t'appellent? En faisant cela, en posant ce tact. Aïe, ce qui m'a là, oh. Waouh, soit dit mala, oh, la godou, Jésus n'est ni soit dit mala. En voilà, quoi, maman, la gouge, bala, soit dit mala, oh, la godou, Jésus n'est ni soit dit mala. En voilà, quoi, maman, la vie, bala, soit dit mala, oh, yé, la godou, Jésus n'est ni soit dit mala. Yé, ça dit mala, oh, yé, ça dit mala. Dieu que tu es. Tu te dis enfant de Dieu et tu te comportes comme ça avec ton père. Comment tu veux que les gens t'appellent? Qu'on t'appelle toujours enfant de Dieu ou bien fils spirituel du prophète Joël Crasso? Je suis déçu. Je suis déçu. Choqué et déçu de voir certaines personnes qui sont proches de lui le combattre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour chacun d'entre nous? Moi-même qui ai souffert, vous avez plus bénéficié que moi. Ce qu'il a fait pour vous, il n'a jamais fait pour moi. Qu'est-ce qu'il vous a fait pour vous le combattre? Il a mal fait de vous, d'avoir vous rendu célèbre. Est-ce que ça a été mal? Cet homme mérite d'être respecté, d'être honoré. Il mérite tous les honneurs. Parce que c'est lui qui nous a tous fait, je le répète. C'est lui qui nous a fait. C'est à cause de lui, à cause de ce ministère, que nous autres aujourd'hui, sur le plan international, nous sommes connus. Non, c'est la logique. C'est la vérité. C'est à cause de ce ministère.
Donc, il n'a pas besoin d'être combattu. Il a besoin plutôt d'être protégé et d'être honoré. Nous lui devons tout le respect. Nous lui devons tout le respect qu'il se doit. Parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui aujourd'hui qui a rendu chacun d'entre nous célèbre. Vous aujourd'hui, qui avez pris une position, c'est lui qui nous a tous fait. C'est son ministère. Si aujourd'hui tu es connu, si aujourd'hui on t'appelle de gauche à droite, c'est à cause de son ministère et lui aussi. Alors s'il te plaît, toi qui m'écoutes, toi qui combats le Père, rien n'est encore tard. Moi personnellement, je suis venu, j'ai fait des erreurs, oui, j'ai été sanctionné. Mais je suis d'abord venu pour assumer, pour sécuriser, parce qu'il est absent, il n'est pas là et il n'y a personne. Voici d'abord ce qui m'a motivé de revenir. Et la deuxième cause, je suis aussi venu pour me repentir, pour reconnaître tout ce que j'ai fait. Je l'ai manqué du respect. Je ne l'ai pas honoré, je ne l'ai pas respecté. Je suis venu pour ces deux choses. C'est pour ça que je suis là. On est tous témoins. Aujourd'hui, c'est ce ministère qui nous a nourris. Et il continue de nous nourrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gâté quoi pour vous? Et puis vous ne pouvez pas vous asseoir pour en parler. Je suis choqué. Je suis choqué. Ouah, Jésus a gagné. Je réchante encore ce cantique. Hier, je l'ai chanté. Ce cantique, je le chante à l'honneur de mon père, le prophète Joël Crasso. Jésus a gagné. Ta malade, ouah, Jésus a gagné. Papa, courage. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire de vous, et le courage soit fortifié. Jésus a gagné, oh, ta main de télé, oh, Jésus a gagné, oh, yeah. Prophète, oh, ta main de télé, oh, Jésus a gagné, oh. Soyez me bané que go, ta main de télé, oh, Jésus a gagné, oh. Voyez moi ça m'a donné ta malade de ouah, Jésus a gagné. Amande ba voyez moi goukwa ta malade de ouah, Jésus a gagné. Yeah. Soyez moi bané que ta malade de ouah, Jésus a gagné. Oh,
courage qu'on sait le Seigneur. Parce que Jésus, il est le maire de ce lieu. Papa, quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont dire de vous, ayez le courage. Parce que votre Dieu est toujours avec vous. Ce ministère ne se coulera jamais. Jésus est le maire de Dieu. Alors, ce que je suis venu faire, je suis venu pour sécuriser, je suis revenu pour démentir, parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que j'étais du côté de ces personnes. Parce que je ne me prononçais pas. Je suis venu dire que je ne suis au courant de rien, que je ne suis pas avec tout ce qui est arrivé. D'ailleurs, je suis contre ça. Voici le motif pour lequel je suis revenu. Je suis venu pour maintenir cette flamme jusqu'à ce que mon père revienne de l'Europe. Et qu'ensemble, nous continuons cette œuvre. Parce qu'elle ne mourra pas et elle ne pourra jamais tomber. Parce que Dieu est au centre de tout. Je suis venu pour me repentir auprès de mon père. Pour tout le mal que j'ai fait. Je le reconnais. Comme l'enfant prodigue dans la Bible, qui a manqué du respect à son père et qui est allé gaspiller sa fortune, son héritage, il s'est rappelé, il est revenu se repentir. C'est ce que je suis venu faire. Je suis venu demander pardon. Pardon pour tout. Tout ce que j'ai fait, tout le mal que j'ai pu faire, tout le non-respect, la désobéissance. Voici pourquoi je suis venu. Je suis revenu vers mon père pour m'engenuer devant lui demander pardon. Voici le motif de mon retour. Voici réellement le motif pour lequel je suis venu. J'ai été choqué d'apprendre des choses au sujet de mon frère. Et je me suis dépêché. Donc moi, personnellement, pourquoi je suis là? Je suis venu encore demander pardon. Parce que j'ai reconnu, je reconnais que j'ai été fautif. Je reconnais que j'ai fait du tort à mon père. Voici pourquoi je suis venu. Je suis venu demander pardon. D'abord au Père, parce que c'est lui le Père. Et en plus à l'Église, aux jeunes frères et sœurs, à qui j'ai manqué. Si j'avais fait du tort à quelqu'un, demain, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je ferai demain. Me repentir pour ce que j'ai fait. Ce qui a réellement causé mon exclusion du ministère. Alors voici pourquoi je suis là. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous continuons, nous allons continuer cette œuvre. Elle ne pourra jamais tomber. Papa, encore je vous dis merci. Merci encore d'avoir accepté. C'est vrai, mais pas parce que c'est lorsque vous allez prier pour moi que le pardon va se faire. Mais c'est moi, je vous ai mis la pression. Et vous avez accepté à ce que je revienne pour venir vous attendre. Je suis venu vous entendre. Vous demander pardon, sincèrement, de tout mon âme, de tout mon cœur. Parce que malgré tout, vous êtes mon père. Et vous le resterez jusqu'à l'éternité. Et personne ne pourra nous séparer. Si ce n'est que Dieu. Je peux dire que la mort. Alors voici le motif de mon retour. Je suis venu présenter toutes mes excuses. Je suis venu demander pardon à mon papa et à l'Église. Voici pourquoi je suis revenu. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Shalom.